Salut, c'est Seb. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa et sur une discipline un petit peu particulière justement sur Assetto, c'est le rallye. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps de ça, je vous mettrai la petite vignette en haut si je la retrouve, sur du rallye, c'était sur avec une Polo WRC si je ne me loupe pas. Là c'est un mode en fait que j'ai trouvé sur S Department, je vais vous le mettre tout de suite. C'est un mode sur le Tour de Corse Porto Piana qui fait 10 km. Alors, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il est très détaillé, très sinueux, et c'est ça va être un modeur, je crois que c'est JCRR qui nous a fait ça, si je me trompe pas, ouais, ça doit être ça. Vous voyez, il est vraiment bien, bien modélisé. 10 km, bon, c'est assez long, pas des choses que je fais régulièrement, mais la physique est bonne. La voiture, au niveau de la voiture, j'ai pris une Subaru, hop, voilà. Donc WRC la S11. Je vous mets pas le lien parce que je vais être franc avec vous, je sais pas si c'est quelque chose de légal, si c'est une conversion ou pas, et j'ai pas réussi à trouver vraiment le truc que je voulais chercher sur internet. Subaru Impreza S11 WRC Assetto Corsa, vous allez trouver ça très rapidement. Pourquoi j'ai choisi ce véhicule? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais changer du modèle que j'avais fait précédemment. Je voulais rester dans le WRC. Et pour ce type de course, de spécial, il fallait quelque chose qui ait du grip, et les quatre roues motrices de cette voiture là sont vraiment intéressants parce que je suis pas un spécialiste de rallye et parce que ça permet de se sauver de certaines situations. L'inconvénient, c'est qu'elle a un empattement assez important, longue, large, et dans les routes sinueuses de course, c'est quand même assez compliqué. Donc bon, je l'ai pris pour m'amuser. Vous allez voir, j'ai fait un petit montage, hein. Je vais pas vous faire de commentaire in-game parce que je voulais me concentrer plus ou moins quand même sur la route que je ne connaissais pas. Pour être franc et honnête avec vous, j'ai fait 3 essais. Je voulais pas vous mettre de la merde en vidéo, donc j'ai pris celle où il y avait quand même pas mal de moments agréables. Je crois que je me suis planté 2 fois si je me trompe pas. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. J'ai fait au mieux. Petit montage, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Dites-moi si vous avez des reproches, je les prends. Et puis on se dit sur une prochaine vidéo, une prochaine course en ligne, en live, on verra bien. Voilà, je vous laisse, salut.
Ah.